venu vous avertir. Et Richard venait à prendre Jaffa, alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Il marcherait ensuite vers Jérusalem. Il faut l'arrêter, le mettre hors d'état. Nous avons trouvé l'endroit. Il est comme tu l'avais décrit. Je le soupçonne de vouloir régler cette affaire au plus vite. Mieux vaut ne rien dire aux autres. C'est une sage décision. Pour être franc, je serai heureux quand tout cela sera terminé. Bientôt, mon ami. Les tout derniers écrits seront réduits en cendres aujourd'hui. Viens ici, mon garçon. As-tu gardé la lettre que je t'ai donnée ? Oui. Alors, va la porter. Tu trouveras celui à qui elle est destinée à l'intérieur de la madrasa. La violence, la police, nous devons résister. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Soyez prudents, mes amis. Shaitan est partout. Il attend, il observe. Il est sous mes ancêtres à la tentation. Soyez forts, faites-moi la paix et harmonie. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour ses convictions. Que Salah Adin soit loué. Il a trouvé la force de défendre ses convictions. Il a trouvé la force de défendre ses convictions. Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin. Gözünüzü dört açın, geri dönecek. Ainsi, ils ne risqueront plus d'être lus geçen et sefer de faire du mal. Ama bu sefer değil. Vous vivez dans le mensonge, entouré d'êtres malveillants qui cherchent à dominer vos esprits en vous imposant leur savoir. Laissez-nous brûler ces écrits. Ainsi, ils ne risqueront plus d'être lus et de faire du mal. Joubaïr voit les choses avec clairvoyance. Il cherche l'antidote au poison qui contamine les cœurs et les esprits. Apportez-nous tous les textes présents dans vos foyers et vos écoles. Apportez-les-nous et nous les détruirons. Si vous restez là, je vais finir par m'énerver, hein, moi je comprends bien. Kalabalığın içine karışmayı seviyor. Gözünüzü dört açın. Kimsenin sizi kandırmasına izin verdi. N'est pas une réponse, mon enfant. Je suis de cet avis. Parle, et je retiendrai peut-être mon épée. Pourquoi ton maître veut-il détruire tout ce savoir? Pierre par pierre, nous construisons une route vers des lendemains meilleurs. Une route que tous les hommes emprunteront bientôt. Je ne le vois pas ainsi. Tu es aveugle. Les mots écrits sur ces parchemins ne sont que poison. Joubaïr en a l'antidote. Il nous libérera de leurs mensonges. Ce discours n'a aucun sens. Tu as perdu l'esprit. Non, non. Je l'ai retrouvé. Je vois le monde tel qu'il est. Joubaïr m'a beaucoup appris. Il éclaire tout, d'un jour nouveau.
Un fanatique, un fou dangereux. Voilà ce que tu es. Fais ce que tu dois faire. Cela ne change rien, nous n'avons pas peur. Vous avez tort. Où es-tu? Je sais que tu n'es pas loin. C'est une tragédie. Mais au qui, un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour ses convictions. Qui est responsable de ça? C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'infidèles arrive. Et ils sèment la terreur dans leur sillage. Aline est partie à leur rencontre pour nous venger. Vous allez arrêter, oui. Priez pour que Dieu, exalté et glorifié soit-il, nous entende et nous accorde la victoire. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas être dérangé. Soyez prudents, mes amis. Où est-ce qu'il va? Shaitan, arrête ici tout le monde. J'ai des choses à vendre. Écoutez-moi tous. Je suis venu vous avertir. Quelles sont les nouvelles? L'ennemi n'a plus de secret pour moi. Je t'écoute, alors. Joubaïr s'est mis en tête de purger la cité de tout son savoir. Quel crime, oh Dieu! Je comprends maintenant pourquoi Al-Mualim veut que tu le tues. Les savants de la ville lui prêtent main forte. Ils descendent dans les rues, agressent les habitants et réquisitionnent leurs manuscrits. Je crains qu'ils ne veuillent tout détruire. Il faut y mettre un terme. Je suis là pour ça. Il va organiser une assemblée. À la Madrasa Al-Kalas. C'est là que je me rends. C'est là que je prendrai sa vie. Je te laisse te préparer. Fais honneur à la fraternité. Avance rapide vers une séquence puissante. Tu n'as pas le droit d'être. Il n'est pas le bienvenu ici. Va-t'en. Fiche le camp. J'ai rien à vous vendre. Alors, fiche le camp. Ah, tu serais châtié. Ne le laissez pas s'enfuir. Il peut encore t'enfuir. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Ne t'enfuira pas. Aimez-vous une aimée, Mrs. Thornton. Cherche les ennuis. Qu'est-ce qui se passe là?
Lieutenant Jackson. لست حقير سأقطع يديك جزاء ذلك Les écrits que cette ville abrite doivent être détruits. Je t'en prie, ne fais pas cela, mon ami. Si nos ancêtres ont consigné leur savoir sur ces parchemins, c'est pour une bonne et excellente raison. Ah oui, et quelle est-elle? Ce sont des phares destinés à nous guider et à nous préserver de l'obscurité et de l'ignorance. Non, ces parchemins ne sont que des tissus de mensonges. Ils nous empoisonnent, et tant qu'ils existeront, vous ne pourrez espérer voir le monde tel qu'il est vraiment. Pourquoi comparer ces écrits à des outils de destruction? Ils ne servent qu'à apprendre. Vous y cherchez des réponses, c'est votre salut. Vous avez la faiblesse de compter plus sur eux que sur vous. Cela vous rend aveugle et stupide. Vous faites confiance à des mots, à des taches d'encre. Mais avez-vous déjà réfléchi à qui les avait tracés? Et pourquoi? Non, vous ne remettez rien en question. Et si ces écrits étaient mensongers, comme c'est souvent le cas, ces écrits sont un danger. Vous avez tort. Ces textes sont les clés du savoir. Nous en avons besoin. Tu tiens vraiment à tes précieux parchemins? Tu ferais n'importe quoi pour eux? Oui, oui, bien sûr. Alors, rejoins-les! Je considère quiconque tenant ce genre de discours comme une menace. Quelqu'un d'autre voudrait-il me défier? Bien. Voici ce que je vous ordonne de faire. Parcourez la cité. Rassemblez tous les manuscrits restants et entassez-les dans la rue. Quand vous aurez fini, nous les chargerons sur un chariot afin qu'ils soient détruits. Ici, va-t'en. Tu n'as pas le droit d'être ici. Écoutez tous, apportez-moi tous vos écrits et empilez-les devant moi. Les conserver serait un péché. Comprenez bien la portée de mes mots, leur message de vérité. Libérez-vous du mensonge et de la corruption. Fiche temps. Geber kafir! Il n'est pas bienvenu ici. Va-t'en. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en.
C'est terrible, ça aurait pu m'arriver à moi. On dirait qu'il a le diable au corps. Kime boyun eğmek istiyorsun? Canım ben. Geber kafir! Ne ratez jamais ça. Ne m'approchez pas. J'ai rien à faire ici. Je vais te trancher. Ne t'approche pas. Pour qui prends-tu? Tu veux mourir? C'est trop facile. Le Seigneur ait pitié de son âme. Béni, bien aimé. Good.
Gözünüzü sör saçın, geri dönecek. Attention! Écartez-vous! Pourquoi avoir fait cela? Les hommes doivent être libres de leurs croyances. Ce n'est pas à nous de les...